Ça tourne, bah, ça commence. Alors explique, c'est quoi ta compagnie là? Tu es présente? Oh ah, qu'est-ce que c'est? Salut. Il faut que tu présentes les... Bonjour tout le monde, ah. Mon nom est Noémie Grenier, je travaille à TDC et Myriam m'a demandé de faire une présentation à la canadienne. Alors je prends mon accent canadien le plus naturel possible, en le forçant un petit peu, pour vous présenter TDC et mes collègues de travail. Voilà le magnifique signe de TDC, n'est-ce pas? Et ici, on est dans le hall en haut. Oh! Il y a juste la cité en bas. Elles sont parties. Où on arrive par les ascenseurs qui marchent pas à moitié. Et où à partir de 5h30, ça sent vraiment les fumes. Non, ça sent vraiment les fumes. Et c'est l'heure où moi et Myriam, on commence à chialer et à se dire qu'il faut qu'on s'en aille. On va dans le parking, on fait peur aux camionneurs. Suivez-moi. On a une porte sécurisée qu'on ne peut ouvrir qu'avec un badge hautement magnétique, n'est-ce pas? Là, je vais baisser le ton un petit peu parce que dans le bureau, il ne faut pas parler trop fort. On ouvre sécurement la porte. Elles sont parties de la chambre asiatique. Bon, ben on passe à la table alors. Ah merde, pas bien. Ça ne vaut rien. Ça ne sais pas. Non, il n'est pas là. On a qu'à aller voir Alain Serkin. D'accord. Je t'ai pris ça. Tout le monde est occupé. Ouais, tu peux le présenter quand même. C'est qui? Ça, c'est Alex. Rappeur. C'est Alex Serkin. C'est un rappeur. Il vient de Boston. Il est très doué. Et puis, il a le sens de l'humour débordant. Bonjour, Alex. Bon, ça va? We're doing a Canadian presentation of the office for the Parisian friends. Ça va? Ça va? Après, Jeanne. J'ai un rappeur. Il vient du Kazakhstan. Non, John a un passé fabuleux, vraiment. Il a toute une histoire derrière lui. Il connaît environ 12 langues. Il s'entraîne au gym tous les jours. Deux fois par jour. Show your body. Deux fois par jour. Non, je peux pas. Show your muscle. Ah, OK. Bon. Au moins 20 dollars. Et pas canadien. Ah, pas canadien. Et dollars américains. Oh my God. I didn't know you spoke French. That well. Tu vois? 12 langues. Il était écœurant. Okay. Polyglotte. Bon, on va faire Jacob. Bonjour, Jacob. Bonjour. Jacob, c'est le français le plus relax du bureau. Il rit toujours de mon accent. Il pense que je parle comme une bûcheronne, mais franchement, après 8 mois, il devrait être adapté, mais non. J'ai rien compris ce que tu viens juste de dire. Mais non, il comprend rien. Comme d'habitude, il comprend rien. C'était quelle langue? Non, mais c'est un bon Jack. C'est un bon Jack, c'est un bon gars pareil. OK. C'est du français? Ouais. Ah, Ruby. Say hi to Laurence. Laurence? Yeah. Hi, Laurence. From Paris. Laurence is a guy or a girl? It's a girl. Hi. Ruby. C'est la fille la plus adorable de TDC. Elle est vraiment, vraiment fine. Fine, ça veut dire gentille. Voilà. On adore Ruby. Did you say good stuff about you? Good. On va en arrière? Ouais. Voilà, Marianne. La présentation canadienne de Marianne. Ça, c'est notre boss. Elle est super fine. Elle est super cool. Puis, c'est ça, c'est Marianne. Elle est super gentille, elle s'occupe de tout. C'est le fun, c'est bien le fun. Elle a même un humidificateur. Un humidificateur. Avec des gouttes Vicks. Avec des gouttes, oui, parce qu'on est malade. Ouais. OK, merci Marianne. Bon, merci à Marianne. À qui je vais dire bonjour? À la France. Ah, bonjour la France. Bon.
qu'on aille voir. Ah, elles sont pas là. On va aller voir Chul quand même. Ah, ça, c'est mon cousin. Hello. C'est mon cousin Chul. On s'est retrouvés après des années perdues. Voilà. On s'est rendu compte qu'on était cousins du côté de mon père. Vas-y, mets-toi à côté de lui. Faut que je te mette à côté des gens en fait quand tu les présentes. Ouais, voilà, tu mets, juste à côté d'eux comme ça, puis tu les présentes. T'es dur à suivre là, c'est pas ça. C'est Chul, comme Myriam vous a expliqué, elle s'est rendue compte que c'est son cousin de clan. Alors maintenant, ils font la paire. Et, avec Gurun aussi. On fait le... Le trio. Les trois mousquetaires. Bon, j'espère que je parle pas trop vite. Non, moi je comprends tout, je suis canadienne. Toi, tu comprends tout? Ouais. Même si je parle vite. Ouais. Parfait. Non, Machiko. Ah, c'est dommage que les... Bonjour Machiko. Machiko, tu comprends français? On fait un film canadien sur TDC. Machiko, c'est la... Canadian presentation of the office. To Joaquin. No. To her friends. Oh, okay. Yes. Hi. Alors, Machiko, c'est la team lead de l'équipe asiatique. Elle dirige toute la chambre asiatique que vous voyez là. On est en Asie. L'Asie qui s'étend aussi de l'autre côté du mur. Et c'est ça. Au revoir, Machiko. Au revoir. Bye-bye. Faut que tu sers la main des gens. Bye, Machiko. Bye. Bon, je sais pas comment faire. C'est dommage que le français soit pas là, ça aurait été tellement drôle. Ah, Emmanuel! Ah, Emmanuel! Ça, c'est l'allemand, c'est bien évident, regardez-y à grandeur. Emmanuel, c'est un bon Jack, très gentil, très efficace. C'est ça. Où t'en vas, Emmanuel? Où est-ce que tu t'en vas, Emmanuel? Where are you going? I'm going over to see your mommy and give her some lovely. PDF. Beep. Files from a client, and I'll go back to my desk afterwards. Maybe I'll visit you in the French department. Il est très relax, hein? Très relax. Thank you. Merci beaucoup, Manuel. Merci. Merci. Bye. Bon, ben, il n'y a plus qu'à faire les fourmis alors. Bonjour, Carlos. Bonjour. Ça va? Ah, ça va bien. Ça va fort? What? You working hard? C'est le Mexique ici, hein, donc c'est pas trop fort non plus. Ici, c'est le Mexique. Travaille juste in comme theory. Il faut. Ici, c'est le Mexique, on s'énerve pas. En théorie. On prend ça pour. C'est un film. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien? Non, c'est un film canadien, s'il te plaît. Oh. Pardon. Un film canadien sur TDC. Voilà. Ne m'insulte pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Noémie a beaucoup de problèmes avec son accent canadien au bureau. Mais c'est parce que j'ai pris l'habitude de parler à la française depuis que je connais Myriam. Attends, là, ça devient la confidence. Je dois m'ajuster car je ne suis plus habituée du tout de parler en canadien et tout le monde rigole quand je parle en canadien. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir avec mon travail? Non, on ne veut rien savoir de ton travail. Ah, si, tu peux l'interviewer moi? Si tu veux. Avec moi, non? Demande-lui en quoi consiste ton travail, tout ça. Ah, ok. Quoi? En quoi consiste ton travail? Tu peux le... Mon travail, c'est des management de projet. Les managements de projet.